Hey Marc, Quoi? est-ce que t'aimes les voyages? Pas spécialement, non. Ah bon? Non, qu'est-ce que t'appelles voyage? Bah je sais pas, moi j'adore les voyages. Je sais pas, tu découvres une autre culture, tu t'évades, tu te détends. Oui c'est ça, donc quand tu dis voyage, c'est partir à l'étranger. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je confirme, j'aime pas spécialement. Mais pourquoi? J'aime pas être un touriste. Comment ça? Bah quand tu pars en voyage, dis-moi, toi tu pars une semaine, deux semaines maximum, non? Ah et pardon, on n'a pas des vacances extensibles non plus, hein? Non, non, mais je t'accuse de rien, mais sauf que quand tu me dis que tu pars pour découvrir une culture, moi j'y crois pas beaucoup. Comment ça? Bah si tu voulais vraiment découvrir une culture, bah tu partirais, je sais pas, 6 mois, 1 an, pour vraiment t'acclimater avec la culture. Là, tu pars une semaine, tu pars 2 semaines, en fait, tu vas faire du tourisme. Bah Et me fais pas croire que sous prétexte que t'as épluché en long, en large, en travers, un guide qui t'assure qu'il ne te fera pas passer par des lieux touristiques, que tu n'es pas un gros touriste. Je te trouve un petit peu dur, Marc. Mais arrête, ce que tu veux dans tes soi-disant voyages, c'est trouver la wifi, c'est trouver de quoi bouffer sans tomber malade, c'est trouver un hôtel climatisé, des piscines, finalement, c'est absolument pas découvrir une autre culture. Moi, je veux juste avoir des vacances, hein. Oui, c'est ça, tu veux te détendre, tu veux pas voyager. Alors, moi, résultat, je préfère ne pas voyager pour une semaine. Si je dois voyager, c'est pour 6 mois, 1 an. Et sinon, bah, si je veux me détendre, j'essaye de le faire dans mon propre pays. Mais si je veux me détendre, tu me conseilles quel endroit? Bah, pour te détendre, t'as plusieurs points de pression. Et puis, je te conseille de vraiment te masser la rondelle. Allez, laisse-moi tranquille. Attends, Marc, j'ai pas compris, c'est quoi comme destination?